Bonjour tout le monde! On est live! Je suis très contente parce que j'ai trouvé un système, ça y est, pour faire mes lives en même temps sur Instagram et sur Facebook. Donc bonjour Facebook, bonjour Instagram! C'est Anaïs en direct pour vous parler de plein de belles choses. Je vais juste... Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Faites-moi un coucou quand vous êtes en live. Dites-moi si c'est la première fois qu'on se retrouve en live. Si on se connaît déjà, faites-moi un petit bonjour, ça me fera super plaisir. Et si vous regardez en replay, faites-moi aussi un petit coucou. Aujourd'hui, on parle d'excellence et on parle d'évolution. Hello tout le monde! Aujourd'hui, on parle d'excellence et d'évolution. Et j'ai envie de vous parler de deux offres qui arrivent et qui me font vibrer à un point hallucinant. Je suis on fire depuis ce matin et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que j'avais un rendez-vous ce matin. Et la conversation qu'on a eue m'a confirmé le download que j'avais eu, la canalisation que j'avais eue juste avant de proposer cet espace d'évolution. Donc je suis super excitée. Déjà, la première chose que je voulais partager avec vous, c'est que si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé dernièrement dans mon monde, ça a été une période intense de renouveau. Il y a eu vraiment une petite mort et une renaissance dans ma vie. Et là, j'ai l'impression de revenir au monde et de revenir en moi d'une façon tellement plus puissante, tellement plus présente, tellement plus intense, tellement plus belle, avec encore plus de tout ce que je suis. J'ai vraiment l'impression d'être allée ramasser toutes les parties de moi que j'avais disséminé un petit peu au fur et à mesure de mon chemin. Et après chaque phase d'évolution justement, après chaque phase de transformation, après chaque phase de renouveau, vient le moment pour moi de revoir mes standards. De revoir mes standards, de revoir qu'est-ce qui était ma norme et quelle est ma nouvelle norme. Et c'est un processus puissant qui ouvre tellement de nouvelles consciences, tellement de nouveaux choix, une nouvelle puissance, un nouvel engagement envers nous-mêmes. Et c'est un espace qui est venu me chercher à nouveau il y a quelques jours. On est allé avec Anthony et Tia et des amis à la plage, puis on est allé se baigner, on a fait du snorkeling et c'était un très bel endroit. Il y avait beaucoup de poissons, il y avait beaucoup de vie sous l'eau, puis il n'y en a plus tant que ça en Guadeloupe, il faut le dire. Il y a beaucoup d'endroits qui étaient magnifiques avant de façon sous-marine et qui ne le sont plus vraiment. Et là, notre ami nous a présenté un endroit qui était vraiment beau. Donc, on est allé faire du snorkeling. Et pendant qu'on nageait, j'avais vraiment cette énergie de « raise your standards, raise your standards ». Et j'étais là « oh, c'est ce moment à nouveau dans ma vie, génial, merveilleux ». Et c'est là où j'ai eu vraiment l'intuition de créer cette masterclass excellence. Puis excellence, pourquoi excellence? Et déjà pour vous, qu'est-ce que ça signifie excellence? Je serais curieuse que vous me disiez en commentaire si vous êtes là, même en replay. Qu'est-ce que ça fait remonter pour vous quand je vous parle d'excellence? Ce qui peut venir quand on parle d'excellence, c'est être le meilleur. Qui peut venir aussi quand on parle d'excellence, c'est une pression. Dans mon monde, l'excellence, c'est pas du tout ça. L'excellence, c'est ce que j'ai choisi à partir du moment où j'ai quitté la maison familiale à mes 18 ans.
À mes 18 ans, j'avais le choix. J'ai eu mon bac. Je savais pas trop comment, pour être honnête. Parce que j'avais pas énormément travaillé par rapport à mes copines et tout ça. Et j'ai eu mon bac. Sans rattrapage, sans rien, j'étais assez stupéfaite. Et j'avais pas vraiment prévu ce que j'allais faire par la suite. Puis de fil en aiguille, en conversation, etc., il y a eu l'énergie de faire de l'hôtellerie. Et j'ai postulé, j'ai un ami qui m'a parlé de... Mon beau-frère m'a parlé d'un de ses amis qui était à l'Institut Paul Bocuse, à côté de Lyon, à Écully. Et puis j'ai fait des recherches et j'ai trouvé une autre école hôtelière qui était publique, qui était gratuite et qui était à côté de Marseille, donc un très bel endroit. Coucou Sandrine! Faites-moi coucou quand vous arrivez, j'adore savoir qui est là et connecté avec vous. Donc il y avait cette école à côté de Marseille et elle était très belle, c'était un très bel endroit, c'était vraiment au bord comment ça s'appelle, des calanques, il fait beau à Marseille, c'était coucou Laure, il fait beau à Marseille, donc c'était plutôt un espace invitant. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui m'a dit non. Non, si tu fais de l'hôtellerie, vise l'excellence. Et l'excellence dans ce cas-là, c'était choisir d'aller à l'Institut Paul Bocuse. Donc ça me demandait de faire un prêt étudiant, ça me demandait de partir loin de ma famille, ça me demandait d'aller à Lyon, que je connaissais pas du tout, ça me demandait beaucoup de sorties de zone de confort, ça me demandait de me réinventer totalement. Ça me demandait de me réinventer de sorte que je puisse évoluer dans un environnement différent de celui que je connaissais. Moi, je venais de la campagne, j'habitais dans un tout petit village. Quand j'étais en primaire, j'allais à l'école à pied. Je vivais dans une région où je pouvais faire du stop, c'était pas dangereux. Vous voyez, j'étais un peu dans ma bulle. J'ai grandi dans cette espèce de petite bulle. Puis là, c'était vraiment sors de ta bulle et choisis l'excellence. Et ensuite, dans tous mes choix, j'ai toujours choisi mon excellence. J'ai toujours choisi mon excellence. Je suis allée travailler à l'hôtel de Crillon. Quand je suis allée en Corse, j'ai travaillé dans un palace. Quand je suis partie en Suisse, j'ai travaillé au Lausanne Palace. Je suis allée à l'école hôtelière de Lausanne. Donc même avant d'être dans le développement personnel officiellement, j'étais déjà dans cette démarche d'excellence. Et j'ai continué ensuite. J'ai toujours choisi ce qui me semblait être pour moi, l'excellence. Devenir facilitatrice certifiée d'accès, pour moi, à ce moment-là, c'était un signe d'excellence. Parce que c'était tellement complet au niveau de la formation, j'avais l'impression de pouvoir tout apprendre au même endroit, c'était incroyable. Je trouvais les outils tellement puissants. Ensuite, quand j'ai découvert Mélanie, c'était à nouveau une nouvelle forme d'excellence. Et toutes les coachs que j'ai choisis, toutes les personnes que j'ai choisies pour m'accompagner, représentaient à mes yeux, à ce moment-là, une forme d'excellence que je visais moi aussi. Mais il y a tout un processus derrière, il y a toute une posture derrière, il y a toute une vision des choses derrière et c'est tout ça qu'on va aller décortiquer dans cette masterclass excellence qui aura lieu le 10 mai. Donc le 10 mai, il y aura la masterclass excellence qui durera à peu près 1h30. Puis, si vous me connaissez un petit peu, on va suivre le flow. Donc, on sait quand on commence, on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on finit avec moi. Et Excellence est à 60 € jusqu'à ce soir. Et ensuite, ce sera à 90 €. Donc, si vous voulez le lien sur Instagram, envoyez-moi un message envoyez-moi un message en privé ou demandez-moi le lien en commentaire. Et ce matin, pendant la conversation qu'on avait... avec ma cliente, qui est aussi une amie, j'ai vraiment pu mesurer mon évolution et à quel point je suis devenue excellente dans ce que je fais et dans ce que je propose comme accompagnement. Et non pas depuis un espace de prétention, non pas depuis un espace de comparaison de moi, c'est mieux que les autres ou quoi que ce soit, mais dans ce que moi je fais. En un an, je vois à quel point j'ai évolué dans ma façon d'aller au cœur du sujet, dans ma façon de faire bouger les énergies, dans ma façon d'amener mes questions, dans ma façon d'accompagner la personne. Bonjour Geoffrey, je suis contente de te voir en live.
Merci pour le compliment. Et ce matin, ce que la personne que j'avais au téléphone m'a dit, c'est super frustrant parce que j'ai déjà tous les outils. Je sais déjà accompagner les autres à cette évolution-là. Et du coup, les quelques fois où je n'arrive pas à le faire pour moi, je me juge tellement. Puis il y avait une phrase de Mélanie Hanleyer qui m'avait vraiment marquée l'année dernière. C'est comme si, quand tu te juges de ne pas arriver à te coacher dans des moments qui sont intenses émotionnellement, c'est comme si un chirurgien du cerveau se jugeait parce qu'il n'arrive pas à opérer son propre cerveau. Et j'étais là, c'est tellement brillant comme image. Effectivement, je dirais jamais à un chirurgien du cerveau de s'opérer lui-même le cerveau. Et ce que je lui ai exprimé, c'est parce qu'elle me dit, c'est beau parce que toi, tu es de l'autre côté de ce que moi, je suis en train de vivre, de toutes ces énergies qui remontent. Elle est elle aussi dans cette phase de chrysalide, dans cette phase de petite mort où on meurt à nous-mêmes pour revenir encore plus grand, encore plus belle, encore plus majestueux, majestueuse. Et elle avait besoin d'un coup de pouce dans cette sortie de chrysalide. En 30 minutes, on a mis le doigt sur tout ce qui demandait à shifter. En 30 minutes, c'était genre, tout son monde a commencé à popper. Tout son monde a commencé à s'ouvrir et elle a vu les choses depuis un espace tellement différent. C'était tellement beau, c'était tellement puissant. Et là, j'ai eu tellement de gratitude de... Ouais, je peux reconnaître que je suis excellente dans ce que je fais et dans ce que je propose. Et quand elle m'a dit qu'elle se jugeait de ne pas y arriver toute seule, je lui ai dit, mais tu sais, les 6 mois que je viens de traverser, les 6 mois de petites morts et de grandes révélations que je viens de traverser, j'aurais pas pu le traverser de cette façon-là, aussi rapidement, avec autant d'aisance, si j'avais pas eu Anthony. Avec Anthony, on s'est coaché l'un l'autre toute l'année. Parce qu'on est hyper complémentaires dans notre façon de percevoir les choses et d'accompagner. Et ma façon d'accompagner est parfaite pour lui et sa façon d'accompagner est parfaite pour moi. J'ai pas traversé ça toute seule. J'ai pas traversé ça toute seule. J'avais Anthony qui était là pour me soutenir au quotidien. J'avais mes coachs. Je suis dans différents programmes. J'ai différentes coachs. J'ai différents espaces qui sont là pour me soutenir. Je fais partie des paillettes. Même si j'ai pas été très active jusqu'à maintenant, je reçois énormément. Je fais partie du collectif de Stéphanie et je continue à grandir au niveau de mon entreprise, de ma structure, de mon positionnement, de ma confiance intérieure, de ce que je rayonne, de mes réseaux sociaux, etc., etc. J'ai pas été seule. Et toute seule, je suis pas sûre que j'aurais pu traverser tout ça aussi rapidement. Et avec autant d'aisance. Parce qu'elle me dit, me souvenir de certaines choses, j'en ai pas envie parce que ça va être long et j'ai pas envie de passer plein de temps à traverser tout ça. Je dis, mais en vrai, oui, ça fait 6 mois que j'ai des choses qui remontent et que j'ai des choses qui se nettoient, mais les transformations en tant que telles, en 2 heures, elles sont, dès que j'ai un trauma qui remontait, dès que j'ai eu un trauma qui remontait, en 2 heures, il était shifté. Puis après, c'était Don't you know, pump it up, I got you, pump it up, don't you know. Et après, ça allait très bien pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle chose qui se présente. Mais c'est pas moi qui allais chercher, c'était pas dans la force, c'était vraiment de l'accueil de ce qui est là et de l'accueil de ce qui demande à être transformé maintenant. Puis là, j'ai réalisé, et ça fait plusieurs fois que je me le dis, que j'ai de la chance d'avoir Anthony à la maison. Et que pas tout le monde n'a cette chance-là. Coucou Jessica. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer un espace. C'est la première fois que je crée un espace comme celui-ci, donc je suis vraiment super excitée. J'ai eu envie de créer un espace intensif en immersion totale pendant 3 semaines. Sous un format de mastermind, si vous connaissez. Donc mastermind, c'est plusieurs cerveaux qui se rassemblent. Pour parler d'un même sujet et grandir ensemble. Le nom qui est venu,
C'est un dont je vous ai parlé depuis plusieurs mois. Évolution. Évolution, le mastermind va commencer, si je ne me trompe pas, le 25 mai. Il faut vérifier. Si c'est bien le lundi, c'est ça. Parce que moi et les dates, c'est un peu... Mais le lundi, je crois que c'est le 25. Je vous reconfirmerai par message. Évolution va ouvrir ses portes le 25 mai. Pour 3 semaines. Et ce sera 2 rencontres par semaine d'environ 1h30 à 2h en fonction de l'énergie, en fonction de ce qui sera là et de vos questions. Avec en plus un accès par Telegram exclusif aux personnes qui feront partie de ce mastermind qui sera ouvert pendant les 3 semaines pour continuer à évoluer entre les rencontres. Donc si tu es dans une période de ta vie où tu es dans cette phase de transition vers ton évolution, c'est un espace pour pouvoir te déposer, c'est un espace pour pouvoir être accompagné dans cette évolution, pour pouvoir être accompagné, pour vivre ça avec le plus de puissance, de légèreté, de joie et de rapidité possible. Parce que ce que moi j'ai mis 6 mois à faire, je suis capable maintenant, parce que j'ai ouvert les portes, je suis capable maintenant de vous accompagner à ce cheminement-là tellement plus rapidement que ce que moi je l'ai vécu. Donc transition, le mastermind, ce sera 3 semaines à partir du 25 mai. Et il y a 2 nouvelles assez incroyables. La première nouvelle incroyable, c'est que pour les 2 premières personnes à le choisir, ces 3 semaines sont à 777 €. Ensuite, ce sera à 900 €. La deuxième nouvelle qui est vraiment incroyable, c'est que pour toutes les personnes qui rejoindront Évolution, vous recevrez l'accès à Vente Divine qui commence le 10 mai. Donc, en choisissant Évolution avant le 10 mai, vous rejoignez Vente Divine et c'est offert. Vente Divine est à 1100 €, donc c'est... Ça fait pas vraiment de sens, pour être honnête, de faire ce cadeau-là, mais c'est ce que j'ai reçu en canalisation, c'est ce que mon cœur me dit. C'est vraiment l'énergie que j'ai reçue et je fais confiance à ce que je sais, à ce que je sens, à ce que je perçois et à ce qui est léger et joyeux pour moi. Donc pour les 2 premières personnes à rejoindre Évolution, c'est 777 € au lieu de 900 €. Et jusqu'au 10 mai... En choisissant Évolution avant le 10 mai, vous recevez Vente Divine inclus. Ah, je suis super excitée. C'est la première fois que je propose un format comme celui-là et ça me fait vibrer. Ça me fait tellement vibrer parce que vraiment, si j'avais pas eu Anthony ces derniers mois, ça aurait été vraiment très dur et je ne suis pas sûre que j'aurais été capable toute seule d'avancer de cette façon-là. Et jusque-là, j'ai trouvé personne qui m'offre l'espace dont j'avais besoin à ce moment-là. Et quand on ne trouve pas un espace, c'est souvent que c'est notre rôle à nous de le créer. Donc ça, c'est un super outil si tu es en train de peaufiner, de chercher, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que mon essence a envie de créer? Qu'est-ce qui serait tellement joyeux pour moi? Observe dans ta vie, de quels espaces est-ce que tu aurais eu envie? Quels espaces auraient été un super cadeau, une super contribution sur ton chemin que tu n'as pas trouvé? Si tu ne l'as pas trouvé de la façon dont tu en aurais eu envie, c'est très probablement que c'est à toi de le créer dans le monde. Et c'est depuis cet espace-là que j'ai créé Évolution, mais c'est aussi depuis cet espace-là que j'ai créé Divine Essence. Dans ma vie et dans la vie en général, je remarque tellement à quel point les gens s'abusent eux-mêmes au travers de jugements, en ne s'écoutant pas, en essayant de toujours faire, en restant coincés dans leur trauma, en restant coincés dans leurs blessures, en restant coincés dans le passé, en restant coincés sur des a priori, en se coinçant mentalement avec des croyances limitantes. Tout ça, c'est des formes d'abus. En restant coincés dans leur schéma répétitif, en revivant
tout ce que leurs parents et tout ce que le transgénérationnel a créé. Et j'ai pas trouvé d'espace qui me permette d'être soutenue dans toute cette évolution de façon sans aller chercher à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc moi, j'ai fait tout un tas de formations, j'ai choisi tout un tas d'espaces parce que je ne trouvais pas un endroit qui rassemble tout ce dont j'avais envie à ce moment-là. C'est depuis cet espace-là que j'ai créé Divine Essence. Divine Essence, c'est le nouveau nom de mon abonnement annuel. C'est vraiment aller de sortir de cet espace d'abus de soi pour se diriger vers la luxuriance de notre être et de notre vie et de notre entreprise. Je vous ai partagé, j'ai une offre très spéciale aussi. Il y a plein de bonus pour Divine Essence si vous choisissez de rejoindre Divine Essence au mois de mai, avant le 15 mai. Je viens de partager ça en story, donc n'hésite pas à aller voir et puis n'hésite pas à venir me poser des questions si tu en as envie. Puis la dernière chose dont je voulais te parler, c'est qu'il y a des personnes aussi qui n'auront pas forcément... Ça peut être difficile parfois de se rendre vulnérable dans une période de transition, dans une période d'évolution. Parfois, c'est difficile de se rendre vulnérable face à un groupe. Donc, j'ai aussi eu l'énergie de créer une offre spéciale en individuel. Donc là, pour la prochaine semaine, peut-être les deux prochaines semaines, je vous redirai au fur et à mesure, mais en tout cas pour l'instant, c'est pour la semaine qui vient. Pendant une semaine, j'offre un pack de 3 séances individuelles. Donc 3 séances individuelles de 1h30 sur Zoom, qui seront à répartir sur 2 mois maximum. Normalement, c'est 1 800 €. Et là, exceptionnellement, cette semaine, je vous propose ces 3 séances en individuel à 1 200 €. Il n'y aura pas beaucoup de place parce que je respecte aussi mon énergie et voilà, il n'y aura pas beaucoup de place. Mais si tu sens que c'est pour toi, n'hésite pas, tu m'envoies un petit message et tu me demandes le lien en privé, on en discute. Puis si tu hésites, si tu sens qu'il y a quelque chose là dans cette conversation qui t'intrigue, qui t'appelle et que tu ne sais pas vraiment quel espace serait le plus contributif pour toi, n'hésite pas, viens me poser des questions, que ce soit en commentaire ou que ce soit en message privé, n'hésite surtout pas. Puis si tu m'envoies un message en privé et que tu vois que je réponds pas, dis-moi-le en commentaire d'un de mes posts, s'il te plaît, parce que des fois ça va dans mes spams, je retrouve des messages dans mes spams et puis j'ai beaucoup de messages dans mes spams. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui veulent m'épouser. Désolée, je suis déjà mariée. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui veulent m'épouser. Donc, entre tous ces messages-là, je continue à retrouver des messages que j'avais jamais vus parce qu'ils étaient passés dans mes spams et que j'ai pas l'habitude d'aller regarder mes spams. Je suis désolée, je savais même pas vraiment qu'il y avait des spams sur Facebook. Puis à chaque fois, j'oublie un petit peu. C'est genre, ah oui, c'est vrai, il y a ça. Voilà, donc si vous m'envoyez un message en privé puis que je vous réponds pas, n'hésitez pas à commenter une de mes publications parce que c'est peut-être juste que je l'ai pas vu ou qu'il s'est désactivé sans que je fasse attention ou qu'il soit dans mes spams et que je ne le vois pas. Donc n'hésite pas surtout. Ne te vexe pas si je réponds pas. Mets-moi un petit post, un petit commentaire dans mes posts. Je regarde vraiment régulièrement les commentaires dans mes posts. Donc ce sera avec plaisir. Donc je récapitule. Jusqu'à ce soir, la soirée Excellence est à 60 € au lieu de 90 €. Évolution, le mastermind, pour les deux premières personnes est à 777 €, ensuite à 900 € et jusqu'au 10 mai, vous avez Vente Divine qui est inclus. Vente Divine commence le 10 mai justement et exceptionnellement cette semaine, pour 3 séances individuelles avec moi, c'est 1 200 € au lieu de 1 800 €. Voilà, j'ai fait mon petit point. Et j'ai envie de vous demander, à quoi ressemblerait votre vie si vous grandissiez vos standards aujourd'hui? À quoi ressemblerait votre vie si vous choisissiez de revenir à votre essence divine? À quoi ressemblerait votre vie si vous choisissiez quelque chose de différent maintenant? Parce que quand on continue à choisir encore et encore la même chose, encore et encore le même fonctionnement, encore et encore la même façon de penser, la seule chose dont on peut être sûr, c'est que demain ressemblera à aujourd'hui.
si vous êtes dans mon monde, c'est très probablement, si vous êtes en train de m'écouter, que vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous avez envie que demain soit bien plus grand, bien plus beau, bien plus luxuriant, bien plus vous, bien plus rempli de tout ce que vous êtes, que ça ne l'était jusque-là. C'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de vous présenter tout ça en direct, en vous parlant directement pour que vous puissiez ressentir l'énergie, pour que vous puissiez savoir. Ça, c'est pour moi. Ou ça, c'est pas pour moi. Et c'est OK aussi. Voilà, je vous laisse. Je vous partage. Demandez-moi les liens. Demandez-moi les liens en commentaire, puis je vous les partagerai avec grand plaisir. Je vous aime très fort. Je vous souhaite une magnifique journée. Et je vais bientôt, juste après avoir quitté ce live, je vais poster mon nouveau reel. Je suis super fière de moi. Je suis vraiment en train d'incarner. C'est pour ça que j'ai reporté Queen des réseaux sociaux, parce que j'avais envie de l'incarner encore beaucoup plus avant d'en parler avec vous et avant de vous transmettre les prises de conscience que j'ai eues et les questionnements que j'ai eus et les transformations intérieures que j'ai vécues. Et là, hier, j'ai passé un bon moment à faire le montage de mon nouveau reel. J'ai adoré. C'est la première fois que je fais un montage aussi poussé, si on peut. Oui, on peut dire ça comme ça. J'ai fait vraiment un montage poussé et je me suis amusée comme une folle et j'adore le résultat. Je trouve ça vraiment très chouette. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans quelques minutes mon prochain reel et puis partagez-le, commentez-le. Partagez-le dans vos stories, pour moi c'est vraiment cadeau à chaque fois que vous commentez, à chaque fois que vous partagez, merci infiniment pour ça. Je vous aime fort, belle soirée à vous, moi ça va être l'après-midi. Donc bonne soirée à vous si vous êtes en métropole et bon après-midi si vous êtes dans mon coin du monde. Je vous aime fort, bye bye.